Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu du site et de l'évolution du site. Alors, c'est une petite vidéo vite fait à l'arrache, hein. C'est surtout pour tester mon nouveau matériel. À savoir, j'ai acheté un deux cases, un Canon 650D pour ceux qui s'y connaissent un petit peu. Bon, j'apprends un petit peu à le maîtriser, c'est pas forcément évident, mais je pense que je vais pouvoir avoir de belles vidéos par la suite grâce à cet appareil et des belles photos. Prochainement, ce qui va arriver, c'est une vidéo qui va présenter Cher Fitness. Hein, vous savez, on est passé de Vidéo Test, un site qui était dédié à la base pour les tests produits, à Cher Fitness. Donc l'idée, en gros, hein, certains l'ont deviné, certains ont lu aussi le à propos, c'est de rassembler et de vous présenter ce qui se fait de mieux, à notre sens, hein, c'est un point de vue, sur le web. Donc il y a un fil d'actualité, hein, je vous conseille d'ailleurs régulièrement à venir nous voir. On vous présentera, voilà, les nouveaux produits, des news en fait qui sont... qui peuvent être intéressantes, des promotions, on touche rien, hein, il n'y a pas d'argent à toucher, etc. Mais bon, c'est juste pour vous faire profiter de certains petits bons plans, des nouvelles chaînes YouTube, comme on a pu le faire encore récemment. Donc voilà, donc n'hésitez pas également à nous envoyer des informations, hein, pour qu'on puisse les diffuser. Si vous avez des chaînes YouTube super passionnantes, etc., à nous faire découvrir, parlant de fitness, musculation, etc. N'hésitez pas. Ensuite, ce qui va arriver, c'est une vidéo qui va faire partie d'une collection de vidéos, à savoir mon évolution jusqu'à la compétition. Hein, vous le savez, je suis suivi par Patrick Ostolani. Donc, je vais vous expliquer dans un premier temps d'où je viens, comment je suis passé de 68 kilos à 120 kilos. Donc, ça pourrait intéresser ceux qui sont plutôt fins, qui commencent la musculation. Je vais vous parler des erreurs également que j'ai pu commettre. Et voilà, et petit à petit, on fera des bouts de vidéos comme ça qui vont vous expliquer comment je suis arrivé à la compétition par la suite. Alors évidemment, ce ne sera pas des vidéos coaching, je ne suis pas coach, ça caresse à sa place. Je pourrais éventuellement vous faire part de petites astuces, hein. Par exemple, si je me blesse à une épaule, je vous dirai comment moi j'ai pu faire peut-être pour m'entraîner, qui je suis allé voir pour avoir les conseils, etc. Et en aucun cas, je vous donnerai une solution. Voilà, c'est peut-être. C'est peut-être con à dire, mais bon, il y a beaucoup de gens sur YouTube ou autres qui s'improvisent au coach, et ça crée bien souvent des erreurs, des blessures, donc voilà, donc chacun a sa place. Moi, je suis juste un pratiquant, j'ai quelques connaissances, mais le but du site, c'est de vous montrer qui aller voir, et comment regarder les choses, et voilà. Tout comme les tests produits, hein, le but, c'est pas de vous dire, en fait, tenez, achetez cette protéine-là, elle est super bonne, etc. Non, le but, c'est de vous apprendre à regarder, à quoi regarder, et puis voilà, c'est pour que vous achetiez en connaissance de cause. Alors évidemment, on souhaite faire toujours analyser les produits, donc ça, j'en parlerai par la suite, il y a peut-être un moyen pour le faire, et ce qui nous différenciera encore plus de certains autres sites qui testent, entre guillemets, évidemment, les produits. Bon, ça, c'est un avis perso également. Donc voilà, je travaille, hein, Mika, Pasque également. Jess, c'est pareil, on va développer la rubrique femmes. Ça fait très très longtemps qu'on y pense. Alors, ce sera des tests produits pour femmes, donc les fringues liées au fitness, des accessoires. Et elle aussi, elle vous expliquera également voilà, sa petite évolution. Bon, elle a déjà un bon petit niveau. Ses éventuels doutes, ses solutions, etc. Toujours, voilà, dans un esprit de partage et non de. Elle se positionnera pas non plus comme une espèce de gourou. Hein, voilà, on n'est pas là pour. On est là pour partager. Il y aura des collaborations également sur des vidéos, sur des conseils en musculation. Et ça sera intéressant, je pense. Voilà, donc l'idée, c'est de vraiment de réunir sur notre site ce qui se fait de mieux, et on vous félicitera un petit peu le travail. Donc, c'est pas parce que après je n'aimerais pas une chaîne YouTube, par exemple, si jamais le mec il fait une vidéo qui mérite, selon moi, qui est pas conne, quoi, qui est bien faite, j'hésiterai pas à la partager. Donc, voilà, et je demanderai en retour, hein, c'est vraiment pour diffuser. J'ai un petit t-shirt là, Bodybuilding Rules. Donc, merci Eric, hein, c'est top. Franchement, d'ailleurs, je vous conseille tous, hein, si vous voulez l'avoir. Alors, je sais pas si on le voit. On voit l'image, voilà. C'est super cool, hein, de me l'avoir fait parvenir. Il est en vente, hein, pour ceux qui sont intéressés, donc n'hésitez pas. Là encore, c'est pour soutenir le magazine, notamment. Hein, c'est un magazine qui ne rapporte pas. Certains croient que ça rapporte énormément d'argent, mais non, en fait, c'est un passionné, Eric, et les collaborateurs également, et tout comme moi d'ailleurs. Hein, ils en vivent pas, donc.
si on pouvait soutenir pour continuer à avoir un magazine de qualité, tous les moyens sont bons, faut pas hésiter. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Me concernant, je suis toujours en préparation. Certains me suivent sur Instagram notamment, donc je vous remercie, vous êtes de plus en plus nombreux. Et pareil, hein, régulièrement, je mettrai des photos, etc. Par la suite. Bon, bah écoutez, à très bientôt, hein, et puis gardez la pêche. Ah non, ça c'est déjà pris. Il n'y a plus de slogan, il n'y a pas de slogan pour Cher Fitness, quoi. Donc c'est. Voilà, à plus.